Je me dis qu'il ne faut pas faire attendre le 8 mars seulement pour faire le marché, mais il faut peut-être même aller au-delà donc du 8 mars, parce que nous devons donc savoir que pour cette égalité, il faudrait donc que nous comprenions que deux fois, les femmes peuvent ne pas avoir le temps et que l'homme puisse même aller faire le marché à la place de l'homme. Faire le marché, c'est pas seulement réservé aux femmes. Et les célibataires, je crois qu'ils font le marché pour pouvoir faire la cuisine. Un message, peut-être que l'acte que nous posons aille au-delà donc du 8 mars. On n'attend pas forcément un 8 mars pour aller faire le marché. Bon. Et ce n'est même pas seulement le marché, faire le marché le 8 mars. Mais le 8 mars aussi, c'est un peu une lutte pour l'égalité entre les femmes sur le plan politique, le plan économique. Donc, nous devons donc nous départir donc, du machisme que les hommes ont souvent. Et comprendre que la femme et l'homme sont égaux.